Alors bon vendredi midi, 28 mai, dernière rencontre de EVR, petit groupe, mais je sais que les rencontres sont souvent regardées après, donc plusieurs personnes me contactent et disent « j'ai pas pu être là en live, mais on est écouté en rediffusion », donc sachez que c'est aussi apprécié, puis que les communautés continuent à vivre après les rencontres. Donc, à chaque fois que vous avez des questions, des commentaires ou des interrogations, bien, je vous invite à les mettre dans l'ordre du jour pour qu'on puisse y avoir accès puis y répondre aussi. Donc, l'idée des cohortes EVR, de la communauté de pratique EVR, c'est ensemble réfléchir à des meilleurs moyens pour implanter les cours EVR, les faire vivre aussi, puis regarder comment les intervenants et le numérique peuvent s'imbriquer là, dans tout ça. Donc, merci énormément d'être là. J'espère que tout le monde va bien parce qu'on a des gens de Gaspé, de l'Assomption, de Drummondville, de Magog. On est un petit peu partout, mais aujourd'hui, on va présenter avec Catherine Dalpé et Catherine Fauché. Donc, les deux Catherine, un modèle fort intéressant des cours EVR qui se transforment aussi. Je sais que vous les avez donnés, mais vous les peaufinez aussi plusieurs fois. Donc, ça va être super intéressant d'en savoir davantage. Je vous laisse aller. Alors, bonjour. Donc, je vous présente aujourd'hui, en fait, comment nous, on a implanté là, les cours EVR dans notre centre de service, qui est le centre de service scolaire des Samar. Pour commencer, je vous propose un petit historique là, pour mieux comprendre là, d'où ça vient et comment on en est arrivé à ce qu'on vit présentement. Donc, avant, on avait le programme CEF, donc, qui se donnait en cohorte. Par contre, les cohortes se donnaient uniquement dans le centre de Joliette, qui est le plus gros de nos centres. Donc, il y avait seulement les élèves de Joliette qui bénéficiaient de ce service-là. C'était donné en cohorte, et ce qui apportait beaucoup de problèmes, là, parce que, par exemple, si on avait moins d'élèves qui s'inscrivaient que prévu, donc il y avait comme vraiment un horaire qui était établi en début d'année avec la tâche enseignante, mais là, si on se retrouvait, par exemple, telle semaine où on devait commencer une cohorte et qu'il y avait moins d'élèves, bien là, on ne la partait pas, donc ça créait beaucoup d'instabilité, on reportait l'entrée des élèves à cause de ça. La tâche enseignante aussi, ça posait des problèmes pour l'organisation scolaire aussi, donc c'était pas génial. Puis aussi, à cause de considérations budgétaires, au départ, bien, on avait proposé un cours qui s'étalait sur 2 semaines, puis on a dû ramener ça à une seule semaine. Donc, on a condensé, modifié le contenu, puis évidemment, on a perdu quand même beaucoup de choses là-dedans. Ce qui se passait également, on avait une seule cohorte, puis là, comme on n'avait pas tant d'élèves, puis des fois, c'était difficile de remplir nos groupes, mais c'était le même contenu qui était vu pour l'ensemble des élèves, là, qu'ils soient au présecondaire ou en secondaire 5. Donc, on répondait difficilement aux besoins là, de cette clientèle-là avec vraiment des réalités puis des objectifs très différents. Et ce qui se passait aussi, c'était vraiment un enseignant qui était attitré pour les cours de CEF, ce qui faisait que même si les élèves dans le CEF se faisaient un cartable outil, mais quand ils se retrouvaient en classe avec leur prof matière, les contenus qu'ils avaient vus en CEF n'étaient pas très réinvestis. Donc, c'est ce qu'on observait, là, que c'était plus difficile de ce côté-là. Donc, quand on a pris connaissance de la possibilité de faire de transformer, dans le fond, notre CEF avec le nouveau programme de VR, il y avait des besoins auxquels on voulait répondre. D'abord, c'était d'améliorer l'accueil puis l'intégration de nos élèves, que ce soit des élèves HDA ou pas, là, dans vraiment bien les intégrer pour qu'ils connaissent rapidement le fonctionnement du centre. Les ressources aussi, le fonctionnement même de la FGA, puis qu'ils aient un répertoire aussi pour les informations scolaires, là, parce que c'était aussi dans un moment où on a arrêté de donner des agendas aux élèves. Donc, les élèves n'avaient plus le code de vie, n'avaient plus les horaires, n'avaient plus les personnes ressources. Donc, il y avait un besoin aussi de leur fournir une espèce de répertoire de ressources.
puis de leur permettre de que je me permets de couper ma charmante collègue, parce que nous, on marche toujours en se coupant comme ça, là. Mais en réalité, on voulait aussi s'assurer que, tu sais, au-delà du référencement que peuvent faire les gens, puis on va en parler dans portrait et dépistage, qu'à travers cet accueil et intégration-là, ça permet aux élèves de connaître les ressources concrètes de leur milieu, puis des autres centres, puis qu'ils puissent aussi, tu sais, ça conduit parfois à ce que des élèves se référencent eux-mêmes, parce que dans le fond, ils étaient entre le mur puis la peinture, puis ils dérangeaient personne, mais ça avançait pas, puis ça leur permettait, donc, eux-mêmes, en connaissant les ressources, puis j'ai eu plusieurs élèves qui m'ont contacté directement comme ça, parce qu'on donne entre autres les coordonnées des gens dans les centres. On a vraiment fait quelque chose de sorte que, à travers le temps, qu'on soit situé dans un tout petit centre où il y a une seule classe puis qu'il y a très peu de services qui nous semblent disponibles, on a quand même la liste de tous les intervenants avec leurs coordonnées. Donc, on a accès à ces informations-là. Puis je pense que ça a quand même permis aux élèves d'eux-mêmes d'être un peu plus au courant de leurs droits puis de leurs possibilités dans notre organisation. Oui. Puis même, j'ajouterais aussi que ça arrivait souvent que, bon, par exemple, les directions rencontraient les élèves qui s'inscrivaient, qui intégraient la FGA la première journée. Puis là, c'est la journée où on leur remet tel papier, on leur présente, on leur fait le tour, fait faire le tour de l'école. Mais qu'est-ce qui reste après de tout ce qu'on leur a donné? Deux jours plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard, six mois plus tard, est-ce qu'ils se rappellent que telle Véronique est dans tel local quand ils ont besoin d'aller ventiler, qu'il y a quelque chose, tu sais. Donc, c'était vraiment un endroit, c'est ça, où ils pouvaient, où on pouvait comme déposer les ressources puis que les élèves pourraient y avoir accès encore. Donc, ça, c'était un des besoins. Ensuite, d'améliorer la transition scolaire. Donc, les élèves qui arrivent du secteur jeune vers la FGA ou qui arrivent du marché du travail ou de la maison aussi, puis vraiment les intégrer à la vie scolaire. Donc, rapidement, leur faciliter ce passage-là. Un autre besoin auquel on voulait répondre, c'était d'avoir un accompagnement qui était plus rapproché. C'est-à-dire que rapidement, il y a un lien qui se crée entre l'enseignant puis l'élève. Des fois, l'élève arrive, puis on lui met pratiquement le cahier dans les mains, puis on s'imagine que, ben, avec ça, il va comprendre comment ça fonctionne. Ben, dans les faits, on le sait que ce n'est pas le cas. Donc, en donnant des outils, puis ça force d'une certaine façon aussi les échanges avec les enseignants. En même temps, ça permet aussi de pallier le fait qu'on est en rentrée successive. Hein? On est dans des rentrées continues, donc on peut avoir des entrées aux deux semaines. Puis à un moment donné, il arrive pour toutes sortes de raisons. Là. Il y a beaucoup de gens, il y a une foule, etc. Oups, on échappe deux, trois qui n'ont pas eu l'information de base, qui n'ont pas été accueillis correctement. Et ça nous permettait aussi de pallier à certains égards cet aspect-là. Oui, puis le fait que le choix vers lequel on s'en allait pour les EVR, c'était que le cours soit donné par les enseignants titulaires, bien, c'était aussi que les stratégies qui allaient être vues pendant l'EVR allaient être réinvesties dans la suite de la formation. Ensuite, bien évidemment, le développement de stratégies d'apprentissage, là, c'est vraiment au cœur du programme EVR. Donc, on voulait vraiment que les élèves puissent prendre connaissance de ces stratégies d'apprentissage-là, puis les expérimenter aussi, donc faire des petits exercices et d'avoir un parcours vraiment personnalisé où on leur permet d'aller cibler c'est quoi les stratégies qui, pour eux-mêmes, selon leurs propres besoins de formation puis d'accompagnement, vont vraiment répondre à ce dont ils ont besoin. Ensuite, l'aspect portrait dépistage, justement, avec les stratégies d'apprentissage qu'on leur montre, bien, souvent, c'est que on va présenter certaines problématiques et ensuite une stratégie qui vient avec ça. Puis le but, c'est que l'élève réfléchisse. Donc, il y a vraiment une grande part d'autoréflexivité dans le cours qu'on propose pour que les élèves puissent être très autonomes, en fait, dans leur parcours scolaire. C'est-à-dire, bon, mais est-ce que tu te reconnais dans la difficulté qu'on te présente? Oui, non, un peu. Puis là, ensuite, bien, avec les stratégies qu'on te propose, lesquelles est-ce que tu penses être capable de mettre en œuvre ou tu as déjà essayé, puis tu dis « Ah oui, OK, ça me correspond, puis je pense que je vais être capable d'appliquer ça. » Et aussi, ça permet très rapidement, donc l'aspect, c'est ça, portrait
L'élève se fait un portrait de lui-même et l'enseignant aussi se fait un portrait rapidement de l'élève. Et de cette façon-là, bien, on peut dépister rapidement là, des problématiques, que ce soit scolaire ou des fois c'est extrascolaire. Il y a vraiment cet aspect-là aussi où on invite les élèves à réfléchir, dans le fond, à tout ce qui peut avoir un impact positif ou négatif sur leur parcours scolaire. Puis finalement, ça permet aussi, Catherine, que plusieurs enseignants, notamment, qui sont par exemple des enseignants de maths qui se ramassent avec le cours EVR, il y en a beaucoup qui m'ont retourné que non seulement ça leur avait permis de connecter rapidement avec l'élève, d'avoir accès à un peu plus d'intimité parce que les élèves ont des textes à écrire, ils présentent leur parcours scolaire, donc il y avait un gain là, vraiment pour connaître les besoins de l'élève, se lier plus rapidement avec les élèves. Des profs introvertis me disaient, moi, ça m'a permis d'avoir comme une raison de rentrer en contact. T'sais. Donc, ça avait vraiment facilité la donne des gens, mais ça leur a permis aussi, dans les cas des profs de maths, de voir comment les élèves écrivaient et leur compréhension de la lecture de d'autres choses que des mathématiques. Puis là, ça faisait, ah oui, OK. Donc, il va falloir que j'accompagne mon élève dans sa lecture, là, parce que quand il va ouvrir le beau brouet-boutier, là, en gris sur gris avec rouge puis noir puis encadré de 5 pages, ça se peut que ça se passe pas. Donc, ça aussi, ça contribuait à la connaissance des besoins des élèves. Oui, exactement. Puis, le dernier besoin, bien, on avait un souci aussi d'intégrer le numérique là-dedans. On le sait que c'est très actuel, puis même... au moment où on a commencé à parler de ça, là, c'était en 2018 à peu près. Donc, on était loin de la pandémie, mais cet aspect-là nous a quand même beaucoup aidé là, pendant la pandémie. Donc, de pousser un petit peu l'intégration puis l'utilisation des outils informatiques, que ce soit courriel, Teams, Moodle ou plein d'autres outils informatiques là, qu'on encourageait les élèves. Donc, pour répondre à ces besoins-là, donc, en fait, les meilleurs moyens, donc si je fais un petit retour, ce qu'on voulait, donc, c'est avoir un contenu qui était accessible à tous les élèves, donc contrairement à ce qu'on avait avant, là, qui était seulement au centre de Joliette, là, que ce soit tous nos élèves qui puissent avoir accès à ce contenu-là, qu'on a un accompagnement qui est assuré par l'enseignant responsable du suivi, que ce soit facile aussi de mettre à jour le contenu, par exemple, les ressources dans les centres, les personnes ressources, s'il y a des activités qui fonctionnent moins bien, mais on puisse les changer aussi facilement. Puis on avait aussi un souci, on a une formation là, dans la même période sur la conception universelle des apprentissages, donc de permettre différentes façons aux élèves de pouvoir avoir accès au contenu. Donc, encore une fois, dans la période, moi, j'ai eu la chance, à l'occasion d'un des congrès à Kiev GA, d'assister à une formation de Simon Martin qui présentait déjà qui sont à côté de moi qui me mélange un peu. Donc, Simon Martin qui présentait des cours de méthodologie générale qu'avait mis en place dans leur centre. Puis moi, j'ai trouvé ça génial. Puis là, après ça, bon, le VR, on a regardé ça. Puis là, j'ai mis tout ça ensemble. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles bien, on a choisi, en fait, d'aller vers un cours Moodle. Simon Martin, avec Stéphane Lavoie, évidemment, il avait proposé des cours sur Moodle et ça rejoignait vraiment toutes les possibilités là, de ce qu'on voulait faire. Au départ, quand on a commencé, là, je vous montrais tantôt quelles sont les étapes, là, comment on a implanté ça. On avait seulement le cours Moodle et graduellement, on a décidé d'y aller aussi avec un cahier de réflexion et de devoirs. Donc, pour que les élèves on dirait que seulement dans le virtuel, les élèves se perdaient un peu. On voyait qu'il n'y avait pas tant de rétention, tandis que là, avec le cahier de réflexion et de devoirs, pour beaucoup, c'était plus concret. Ils écrivaient leurs objectifs. C'est quelque chose qu'ils peuvent garder aussi après pour pouvoir le reconsulter. Ce cahier-là, donc, est disponible aussi en ligne, donc ils peuvent l'avoir en PDF inscriptible, donc les élèves qui sont à l'aise et qui aiment aussi travailler à l'informatique peuvent le faire aussi. Puis ce cahier-là permet beaucoup le suivi, donc c'est à ce moment-là, donc à chacun des modules que je vais vous montrer tantôt, chaque fin de module, bien, l'élève doit aller voir son enseignant puis discuter avec lui, OK, j'ai vu telle stratégie, moi je pense que ça pourrait m'aider, tel contexte, donc c'est vraiment le cahier qui va faire beaucoup le pont puis travailler le lien là, entre l'enseignant puis l'élève.
Puis, le choix de Moodle était aussi une facilité là, de faire des suivis et des modifications. D'autant plus qu'on a quand même migré, plusieurs de nos cours désormais se font sur Moodle. Fait que, oui. Si ça avait été le seul, on n'aurait probablement pas trouvé que c'était judicieux parce qu'il y a quand même, tu sais, il ne faut pas se leurrer, il y a des enjeux aussi d'accessibilité pour Moodle, en notamment parfois chez les enseignants et les élèves, là, d'une certaine difficulté d'accéder au contenu. Mais on a fait ce pari-là puisque plusieurs de nos cours ont des encadrements ou des accompagnements supplémentaires sur Moodle, puis on a aussi beaucoup de cours optionnels sur Moodle. Donc, on s'est comme permis ça parce que finalement, ça va revenir. Ils vont les utiliser et ils vont pouvoir transférer leurs connaissances acquises dans différents contextes. Merci. Oui, probablement, tu sais, c'est les Catherine aussi. Oui. Mais de connaître et d'utiliser adéquatement les ressources mises à sa disposition, ça fait partie des savoirs et des compétences à mobiliser aussi pour les cours. Fait que c'est comme un deux dans un, tu sais. Je trouve que l'utilisation de Moodle est tout à fait justifiée dans ce contexte-là parce qu'il peut servir à l'évaluation. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est à la fois, il sert à l'évaluation, puis on apprend aux élèves à se servir de ça aussi. Là. Puis, tu sais, c'est ce genre de plateforme-là d'apprentissage. Tu sais, ça prend beaucoup de place et de plus en plus aussi là, en enseignement. Maintenant, nos élèves connaissent leur adresse courriel. Oui! Maintenant, ils sont capables de naviguer sur les différentes plateformes. Mmh. C'est rendu naturel. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Une fois après qu'on ait ciblé les besoins et les moyens pour les atteindre, mais là, on a constitué une équipe de travail. Donc, moi, j'étais responsable du programme EVR dans notre centre de service. J'étais accompagnée de Mario Drouin, qui était à ce moment-là le conseiller récit. Stéphanie Saint-Don, qui était une enseignante qui a travaillé vraiment beaucoup, beaucoup sur le cours. Là, les exercices qui sont là, c'est vraiment elle qui a fait des recherches, qui avait déjà donné le CEF, donc elle a réinvesti des choses qu'elle avait déjà testées. Catherine aussi qui m'a accompagnée, Véronique Beaulieu qui est agente de réadaptation là, qui nous a aidé aussi, puis on a plein d'autres collaborateurs au cours des années. J'ai mon collègue Hugo Versailles aussi qui m'aide vraiment beaucoup là, dans la mise à jour de ce cours-là, parce qu'évidemment ça demande une mise à jour constante. Il y a souvent des petits bugs là, ben c'est Moodle aussi là, c'est pas parfait, mais j'en profite pour le remercier. Et puis, suite à ça, bien, on a formé aussi des enseignants et puis les services complémentaires donc, pour que tout le monde, puis les directions aussi. Donc, on a vraiment impliqué tout le monde là, dans la mise en place de ces cours-là. Et même les conseillers d'orientation, moi, je leur ai présenté aussi le cours parce que bien, il faut le justifier. Là, les élèves, en fait, tous nos élèves qui arrivent, sauf quelques exceptions, c'est-à-dire des élèves qui ont des profils courts, qui viennent chercher un préalable, par exemple en sciences ou en chimie, ou des élèves qui sont déjà venus en FGA, ils commencent leur formation avec le cours EVR. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent et ils font « ben là, moi, je m'en viens faire du français, je m'en viens faire des maths, mais non, il faut que tu fasses ton cours EVR. » Donc, souvent, la première personne qu'ils voyaient, c'était la conseillère en orientation. Donc, on voulait déjà qu'ils soient préparés. Quand tu arrives, ben non, si tu ne feras pas du français des maths, tu vas faire un cours EVR, puis tu vas voir, ça va être utile, puis tu vas comprendre pourquoi on te demande de faire ça. On arrive à redonner quand même les cahiers aux élèves hein, parce qu'on les amène aussi à les analyser un peu, à regarder comment ils fonctionnent. Fait que, tu sais, on a un peu allégé notre horaire avec le temps pour qu'ils puissent aussi commencer à faire leur cahier en même temps. Comme ça rend un peu plus significatif les stratégies qu'ils doivent essayer d'appliquer. Donc, le premier cours qu'on a développé, là, je vous disais, la réflexion a commencé en 2018. Donc, dès 2019, là, en début d'année 2019-2020, on a implanté le cours EVR 5001, initiation à ma démarche de formation. Donc, nous, on a choisi d'abord de cibler les élèves du présecondaire. On voyait qu'il y avait une grande difficulté là, dans l'accueil des élèves, puis de comprendre le fonctionnement de la FGA. Donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé avec ces élèves-là. Et aussi, bien, parce que c'était une plus petite cohorte, donc on a moins d'élèves du présecondaire que d'élèves
niveau secondaire, là, secondaire 1, 2, premier, deuxième cycle. Donc, ça nous permettait de commencer un petit peu plus en douceur avec un petit peu moins d'enseignants et moins d'élèves. Donc, dans ce cours-là, bien évidemment, les exercices puis tout ce qu'il y a à lire, à faire, c'est adapté à ces élèves-là. Donc, on est allé, moi, comme je suis CP aussi en français, bien, je suis allée avec, en ayant en tête aussi le niveau de littératie de nos élèves. Et aussi, bien, on a intégré des stratégies pour les matières de base anglais, français et mathématiques dans le cours. Donc, là, on vous en parle depuis tantôt. Je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Le voilà. Donc, les élèves qui arrivent dans notre cours EVR, je peux vous dire aussi, dans le fond, on a formé des groupes, donc chaque enseignant a un groupe et l'élève qui s'inscrit dans le cours EVR est lié à son enseignant. Donc, à chaque fois qu'il fait quelque chose sur la plateforme, l'enseignant a accès directement à ce que l'élève a fait. Donc, il y a 15 modules, en fait. Et ça a l'air beaucoup, mais en majorité du temps, donc c'est un cours d'un crédit. Ça se fait en général là, dans les 25 heures. Un élève qui est très à l'aise en informatique, qui est très motivé aussi, des fois ça peut en prendre un petit peu moins, ou des fois, mais c'est, en moyenne, on se tient vraiment dans le 25 heures. Donc, je ne vous montrerai pas tous les modules, mais juste vous brosser un petit portrait. Donc, dès le départ, en fait, ce qu'on leur demande de faire, c'est d'identifier leurs forces et leurs défis. Donc, un petit autoportrait d'eux, puis là, c'est le moment où on va leur demander un peu, bon, mais dans quel état d'esprit vous arrivez à la FGA? Est-ce que vous êtes content? Vous êtes nerveux? Donc, déjà, on va ramasser plein d'informations et ça permet à l'élève aussi de réfléchir, OK, je me suis inscrit, puis là, où on m'a demandé de m'inscrire, c'est-tu mes parents qui m'ont dit, ben là, tu t'en vas là, mais là, OK, oui, maintenant, t'es sur place, ben là, on va, tu sais, mets les choses en place pour vraiment savoir bon, mais pourquoi tu es là, puis dans quel état d'esprit aussi. Ensuite, le deuxième module, c'est les mythes de la FGA. Donc ça replace beaucoup de choses. Là. Souvent, les gens ont des préjugés, ne connaissent pas beaucoup, même dans la population générale. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe vraiment à FGA. Donc, on leur propose plein de mythes et... entre autres choses sur la FGA, comment ça fonctionne, puis etc. Donc, ça remet les choses en place là, dès le début. Le fameux « je venais venir faire 7 ans de scolarisation en 1 an parce que j'étais à mon rythme », hein? C'est merveilleux. Tu sais, il y a une couple de mythes comme ça qui tombent, mais c'est intéressant aussi parce que ça fait le pont souvent avec les mauvaises informations scolaires qu'ils ont eues. Puis on prend souvent pour acquis que nos élèves savent comment ça fonctionne. Mais avant le cours EVR, beaucoup d'élèves me disaient, ben j'ai compris qu'il n'y aurait pas de cours quand personne s'est levé. Puis là, le cours a commencé, puis il y a des gens qui ont écrit leur nom au tableau. Fait que, t'sais, c'était ça que j'entendais avant. Maintenant, j'entends plus ça. Les élèves ont compris en faisant le parcours. C'était quoi notre formule individualisée? Donc, on a dans chaque module, tous les modules sont conçus de la même façon. Il y a toujours une petite explication du module. Ensuite, comme ici, bon, ben, on a un test. Là, c'est là qu'on on questionne les élèves sur leurs préjugés envers la FGA. Petite vidéo qui leur explique qu'est-ce que c'est la FGA, le rôle de l'enseignant, le rôle de l'élève. On leur parle du code de vie et une petite vidéo aussi sur les règles de vie en société. Donc, module 3, les personnes ressources. On leur parle là-dedans aussi de leur profil de formation. On leur explique, on a une vidéo qui a été faite par notre conseillère en orientation là, qui explique comment fonctionne le profil de formation. Ensuite, module sur le cerveau, la mémoire, la concentration, la gestion du temps, l'organisation, la gestion du stress, des stratégies de lecture, stratégies d'écoute, stratégies d'écriture, comment ça fonctionne les cours de français, les cours de maths, les examens, et on termine avec la motivation.
Puis, à la fin, ils ont un bilan à faire. Donc, le bilan, c'est ce qu'on évalue, en fait, à la fin. Là, on évalue aussi autre chose, mais tu sais, c'est vraiment l'élément central de l'évaluation. Et c'est vraiment un retour sur tout ce qu'ils ont vu dans la plateforme. Qu'est-ce qu'ils gardent après avoir fait tout ça? Donc, et le but avec ça, bien, c'est que eux, ça leur serve. Donc, c'est pas juste, ben, il faut que tu fasses un bilan parce qu'il faut que tu me déposes un bilan. Non, non. Tu fais un bilan, mais le bilan, il est pour toi, là. C'est toi qui dois réfléchir sur ce que tu as fait puis qu'est-ce qui va te servir dans la suite de ta formation. Donc, ben, on s'est basé, là, je les ai remises, là, mais on s'est basé sur les différents éléments pardon, qui sont dans le programme d'études et la DDI là, sur les compétences et les critères d'évaluation, donc sur lesquels on s'appuie aussi. Donc, un an plus tard, on a développé le deuxième cours, donc le VR 5003, moyen de mieux apprendre, en 2020. Donc, ça a très bien donné, justement, là, on est en pandémie. Et donc, pour ce qui est de l'accueil des élèves, de favoriser le lien avec les élèves, là, rapidement, c'est quelque chose qui a vraiment fait une différence avec nos élèves qui étaient à distance à ce moment-là. Donc, on reprend essentiellement un contenu semblable. On a modifié un petit peu. Il y a des contenus plus avancés. Les thématiques abordées, ben, en fait, c'est des thématiques qui sont présentes aussi dans le programme d'études. Donc, ça reste, mais on est allé chercher des fois des textes un petit peu plus complexes, plus avancés, un petit peu plus longs. Puis, on n'aborde pas les stratégies spécifiques aux matières de base parce qu'on a sur notre table de travail de développer des cours de méthodologie pour ces cours-là là, en français, français mathématiques. Donc, ça n'a pas été abordé. Donc, je vous projette un petit aperçu du cours. Donc, vous voyez, c'est quand même assez semblable. Donc, les premiers modules, donc pratiquement la même chose. Ici, on a un module vraiment sur le profil de formation. Ensuite, donc, le cerveau, comment apprendre, les facteurs de réussite, la concentration, gestion du temps, organisation. Donc, ça, c'était la même chose aussi, gestion du stress. Lecture stratégique. Donc, là, on est allé, dans le fond, dans quelque chose transversale, donc lecture stratégique là, qui peut être appliquée autant français, mathématiques ou anglais, comment prendre des notes, les examens, la motivation et le bilan. Donc, en gros, c'est sensiblement, là, comme je vous disais, les mêmes contenus, mais un peu plus avancés. Vous avez même vu aussi l'onglet là, qu'il y avait auto-formation des enseignants, parce qu'on oui. a aussi comme, travaillé sur l'appropriation de ces cours par les enseignants. Donc, il y a des auto-formations pour les deux cours pour qu'ils puissent s'y adapter. Oui, je peux même vous montrer. En fait, avec mon collègue Hugo Versailles, on a fait des petites capsules qui présentent chacun des modules. Donc, quand on a des nouveaux enseignants, bien, on leur donne accès à l'EVR, évidemment, à ce module-là d'auto-formation. Ça prend à peu près une demi-heure et ils ont vraiment une bonne idée de tout le contenu. Donc, chacune des petites vidéos là, parle des objectifs puis des exercices qu'il y a à faire dans les différents modules. Merci, Catherine. Je passais par-dessus ça, mais quand même... C'est quand même assez utile oui. parce que comme une des clés qui peut assurer le succès d'un cours comme celui-là, c'est l'engagement des enseignants. On va y revenir plus tard, mais c'est que nécessairement, si un enseignant ne se sent pas à l'aise, ne comprend pas trop le sens du cours, ben, ça va être difficile de le vendre aux élèves. Là. C'est assez évident. Puis ben, justement, en ayant au moins, comme ça a été un enjeu de migrer vers Moodle pour plusieurs. Hein. La compétence numérique est à géométrie variable. C'est sûr que déjà, en ce moment, on est à un endroit complètement différent du début de nos efforts Moodle parce qu'on a commencé avant la pandémie. Là, c'est comme devenu naturel pour beaucoup de gens, mais on est un petit peu en amont. Donc là, c'était important de bien accompagner. Puis, je tiens aussi à préciser là, qu'au départ, ce n'est pas la seule formation que les enseignants ont eue. Il y a eu une formation là, en personne où on monte le cours et tout ça, puis qu'on en parle, mais par la suite, il y avait accès à cette petite auto-formation-là aussi.
Donc, même chose ici, je vous ai remis là, les compétences et critères d'évaluation qui sont ceux qu'on utilise évidemment pour évaluer ce cours-là. Donc, pour ce qui est des résultats, donc ce qu'on a choisi, c'est de mettre le cours non pas en pourcentage, mais sous la formule succès ou échec. Donc, pour obtenir la mention succès, les élèves doivent faire l'ensemble de la plateforme avec sérieux et rigueur au meilleur de leur capacité. En fait, on a précisé cet élément-là parce qu'on le sait qu'il y a des élèves qui arrivent et qui ont beaucoup de difficultés avec, avec l'informatique. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est de voir qu'ils s'engagent dans la démarche. Donc, des fois, peut-être que ça ne donne pas des résultats extraordinaires, mais tu sais, déjà qu'ils prennent le temps de réfléchir, qu'ils prennent connaissance des contenus qu'il y a sur la plateforme. Là, pour certains élèves, c'est ça à quoi on est en droit de s'attendre, disons, avec leur niveau. Ensuite, évidemment, respecter le code de vie du centre, avoir moins de 10 % d'absence non motivée durant la durée du cours ou selon le jugement d'enseignant. Puis faire approuver le bilan par l'enseignant responsable du suivi. Si un élève est en échec, ce qu'on a observé dans le fond, c'est il y a comme deux raisons possibles habituellement. C'est soit qu'il y a vraiment un manque d'engagement, là, que les élèves ont bâclé le travail, ou qu'on a des élèves qui sont en grande difficulté d'apprentissage, puis que ce soit la lecture ou l'écoute, même si on a des activités de différentes formes, là, lecture, écoute, écriture, qui malgré tout, tout ce qu'on a essayé de mettre en place pour pallier les difficultés potentielles, qui ne réussissent quand même pas à faire les exercices, bien, ce qu'on observe dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a un élève qui est en échec, bien, on doit faire une rencontre multi pour cerner c'est quoi les besoins de l'élève. Parce que quand on était avec l'ancien CEF, un élève qui ne réussissait pas le CEF était retourné chez lui. On lui disait, ben, tu n'es pas prêt à entrer en formation, tu reviendras quand tu seras capable de travailler comme il faut. Là. C'est un petit peu l'idée. Tandis que là, on s'est dit, bon, ben, OK, un élève qui est en échec dans son EVR, ben, ça nous signale des choses. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Est-ce que la bonne option, c'est de retourner l'élève chez lui? Ben non, il a décidé de s'inscrire. Ce qu'on veut, c'est de voir, bon, ben OK, avec ce avec quoi tu arrives présentement, comment est-ce qu'on peut t'aider à poursuivre ton parcours scolaire? Est-ce qu'effectivement, en ce moment, c'est le bon endroit pour toi, l'école? Puis, comment l'école peut t'aider à y rester si c'est ce que tu souhaites? Ça nous a permis aussi, hein, parce que les tables multi peuvent déboucher sur différentes situations. Il nous est arrivé que, en regard de la situation, ben, l'élève soit redirigé vers un service qui était peut-être plus adapté à ce moment-là. Donc, il y a des élèves qui sont passés par un ISP. Exactement. Où, ben, là, on se rend compte que ben, l'élève travaille 50 heures en plus d'aller à l'école. Tu sais, ça nous permet de trouver, ben, c'est dans quelques dimensions finalement là, qu'il y a un enjeu. Dans certains cas, il y a des élèves aussi qui ont été mis dans un contrat directement avec leur direction parce qu'il était à un 25 % d'absence dans la première semaine de classe. Mais ça reste que l'assiduité va être un enjeu d'engagement dans sa formation. Donc, il y a différentes situations, puis il y a souvent aussi du référencement vers des services complémentaires ou parfois aussi une trajectoire de service parce qu'il y a d'autres enjeux là, sous-jacents qui étaient plus importants. Mais dans tous les cas, ce que ça fait, puis c'était un des besoins qu'on avait au départ, c'était de faire du dépistage précoce, pardon, pour éviter qu'on perde un peu les élèves parce que ben, ils sont entre le mur et la peinture, puis on ne les voit pas trop, il ne se passe rien avec eux, ils ne font pas de bruit, on voit qu'ils s'absentent, ils ne sont pas très proactifs, mais on attend beaucoup, tandis que là, ben, dès les premières semaines, on voit quand il y a des cas problématiques potentiels, puis on agit, on se met ensemble, on réfléchit, on rencontre l'élève, donc on laisse pas des gens un petit peu tablettés, là, ce qui était un problème qu'on n'aime pas rencontrer. Donc, les constats à ce jour, bon, Moodle, on en a parlé déjà un peu, bien, c'était une solution qui nous permettait justement d'offrir le service dans tous les centres. Évidemment, ça pose quand même des défis. Là, c'est ça, ça fait
quelques années là, qu'on donne le cours, la majorité de nos enseignants sont beaucoup plus à l'aise. C'est sûr qu'au début, là, tout ce qui était branchement, c'était compliqué, mais tu sais, c'est pas long qu'à un moment donné, on a fait le tour des difficultés possibles, puis on le sait, bon, bien, OK, il n'est pas capable de se brancher, pourquoi? Il n'y a pas 56 possibilités, souvent, il y en a deux ou trois. On les connaît, on le sait quoi faire. Ce qui est allé dans ses courriers indésirables pour confirmer l'ouverture de son compte, ou souvent, là, dans, je pense, 90 % des cas où les élèves n'étaient pas capables de se brancher, c'était ça le problème. Donc, ça, on l'a rencontré plusieurs fois, donc on sait maintenant, tout le monde est pas mal au courant de ce qu'il y a à faire avec ça. Le temps fait bien les choses. Oui. Comme, tu sais, on est parfois récalcitrant au changement. Donc, lié à l'engagement des enseignants, ben, au départ, c'est sûr que si mes compétences numériques individuelles sont assez faibles puis que je dois accompagner des gens là-dedans, ça se peut que ça soit tout un enjeu puis que ça fasse que finalement mon rapport à ce cours-là est plus problématique ou à la plateforme. Mais au fil du temps, on a aussi offert beaucoup de formations aux enseignants sur le plan numérique. La pandémie est venue aussi quand même donner un sacré coup de pouce dans ce sens. Mais donc maintenant, dans le parcours d'insertion professionnelle de nos enseignants, il y a quand même tout un accompagnement sur le plan numérique. Donc, ça fait aussi que là, les gens partent avec déjà des compétences qui sont plus solides. Donc, je pense qu'en ce moment, on est moins dans les défis qu'on l'était à l'implantation initiale. Oui. Puis, c'est sûr qu'en proposant le cours sur la plateforme Moodle, bien, on a forcé la main quand même un peu, autant aux enseignants qu'aux élèves, là, de s'impliquer un petit peu plus sur le plan numérique. Par contre, tu sais, moi, ce que j'observe, c'est que bien, ça a payé. Tu sais, oui, ça a été, ça a pris un temps d'adaptation, mais en effet, là, maintenant, bien, cette adaptation-là est faite. Puis, on a quand même aidé les enseignants du fait qu'ils n'ont pas eu à monter eux-mêmes le cours. Donc, c'était quand même un cours clé en main qu'on leur a proposé. Moi, j'ai reçu plein de retours des enseignants. Moodle, c'est très facile d'aller faire des modifications. Donc, dès qu'un enseignant me disait, dans tel module, tel exercice, ça ne fonctionne pas bien, moi, je m'en vais là-dedans. Donc, ils n'ont pas comme à avoir... Puis on a des enseignants qui ont dit « Wow, c'est le fun, moi j'aimerais ça, créer des choses sur Moodle, génial. » Puis on en a d'autres bien, qui en restent à faire fonctionner le cours EVR avec leurs élèves, puis ça leur convient aussi. Mais quand même, ça les a amenés à un autre plan sur, au niveau numérique. Concernant l'engagement des élèves, ce qu'on a observé, c'est que malheureusement, ceux qui en ont le plus besoin, ce n'est pas toujours ceux qui s'engagent le plus. On a des élèves qui, justement, sont très réticents à faire la plateforme, puis eux autres, ils ne sont pas là pour faire ça, ils sont là pour faire du français, des maths. Mais dans le fond, c'est qu'ils ne comprennent pas que les stratégies qu'on va leur donner, ils vont pouvoir les réinvestir. Puis souvent, c'est ça, c'est les élèves qui auraient le plus besoin de ces stratégies-là, qui ont le moins envie de s'impliquer dans la plateforme. Ce qu'on a eu comme retour là, de beaucoup d'élèves, c'est que ceux qui s'impliquent, ils voient vraiment que ça a une utilité et que c'est très pertinent, là, les contenus. Pour plusieurs, ça fait aussi comme une transition un peu en douceur. Là, quand ça fait 4 ans qu'on n'est pas à l'école, puis que là, il faudrait être capable d'être dans nos cahiers puis d'avancer avec un rythme de page par minute, c'est pas réaliste. Donc, ça a permis à plusieurs de faire le point, de se rappeler ce qu'ils connaissaient d'eux-mêmes, de se rappeler que là, ils sont des adultes, ils ne font pas juste être... traîner, ils n'ont pas que traîner les côtés négatifs de leur passé scolaire ou de leur expérience. Il y a beaucoup de mise au point dans le bilan, puis ils partent, puis souvent, ils sont comme « Bon, ça y est, j'attaque la bête. » Il y a quelque chose de cet ordre-là là, qui semble jouer sur la motivation parce qu'ils se sentent plus outillés. Ouais. En ce qui concerne l'engagement des enseignants, c'est sûr, comme on a dit là, au départ, il y avait quelques enseignants qui étaient réticents. Autant du fait que c'était sur Moodle que parce qu'on leur demandait d'enseigner un nouveau cours. En fait, le cours EVR, c'est un cours qu'on leur demande de plus. Il y a certains enseignants qui, eux, disent « Bon, ben moi, c'est ça, je suis un prof de maths, je suis un prof de français, ne demande-moi pas d'enseigner autre chose. » Par contre, quand on leur montrait le contenu,
c'est, souvent, c'était des choses qu'ils voyaient déjà un petit peu, mais de manière informelle avec leurs élèves. Puis là, on leur donnait des moyens vraiment de passer à travers tout ça. Puis tu sais, d'être soutenu, d'avoir des beaux exercices, c'est interactif. C'est super varié aussi dans les contenus. Donc, la majorité ont vraiment bien embarqué. Là, je dirais que c'est pratiquement tous les enseignants maintenant qui croient quand même à ça. Là. Puis, tu sais, je pense que l'expérience a montré que ça avait vraiment un effet positif aussi sur leurs élèves et sur le lien aussi qu'ils ont avec leurs élèves. Puis je leur peux connaissance aussi... des élèves, oui. Ils les connaissent, oui, déjà après ce cours-là. C'est pas, oui, comme d'attendre qu'ils viennent au moins 5 fois me voir en avant. Là, c'est comme s'il y avait un suivi en concentré qui leur permet de sauter des étapes là, dans la relation. Oui. Avez-vous du tutorat? Non. Non. Parce que ceux qui font les centres où est-ce qu'il y a du tutorat, bien, on me rapporte aussi que EVR, ça améliore le tutorat, que ça aide le prof à sortir que du côté scolaire, mm-hmm, et du où est-ce que tu es rendu dans ton cahier, puis aller aborder d'autres thèmes. Mm-hmm. Oui, fait que là, ça oblige dès le départ à aller dans d'autres thèmes, justement. Fait que la glace est cassée, donc dans le suivi, ça a un effet aussi pour la suite. Puis, ce que j'allais dire aussi, c'est que moi, j'ai accueilli cette année, entre autres, là, beaucoup de nouveaux enseignants. Puis, quand je leur montre ce cours-là, ils font comme « Oh, wow! OK, là, je pars avec vraiment quelque chose. Tu sais, j'ai des moyens concrets pour créer des liens avec mes élèves, les connaître, puis des stratégies qu'eux, des fois, ne connaissaient pas non plus. Puis, tu sais, amener d'une façon qui est très simple aussi. Donc, pour les nouveaux enseignants, là, c'était quelque chose de très positif aussi. Il y a l'aspect de référence au dépistage aussi. Ça, c'est encore à travailler. Parce que, évidemment, comme je vous disais, le but, c'est de faire un certain dépistage précoce, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a encore le réflexe de voir, OK, je constate que comme mon élève s'absente beaucoup, qu'il y a des difficultés, qu'il réagit pas bien à certains fonctionnements dans la classe, puis là, d'aller référer aux services complémentaires, mais ça se fait de plus en plus, là, éventuellement. On veut travailler ça quand même un peu plus l'année prochaine. Puis, c'est ça, en général, là, c'est vraiment une expérience qui est positive. Donc, ce qui est à venir, donc on a fait déjà plusieurs adaptations. Là, comme je disais, on est parti avec une plateforme, tout se faisait sur Moodle. Après ça, on a ajouté le cahier de réflexion. On a ajouté cahier de réflexion et de devoirs parce qu'il y a des élèves qui avaient de la difficulté à déposer les devoirs sur Moodle, ce qui est comme, dans le fond, là, les élèves ont le choix de le faire sur Moodle ou pas, mais en tout cas, c'était comme une problématique qu'on voyait souvent qui accrochait. Donc, on a fait des modifications, puis c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être encore à faire pour ça. Ça permet aussi, hein, le fait qu'on les ait fait lorsque les enseignants en parlaient, ça a permis aussi de fédérer l'adhésion parce qu'à quelque part, quand les gens signalent les enjeux, les modifications sont faites, donc ils se sentent écoutés, ils sentent que ça se bonifie puis que ça répond davantage aux besoins. Puis c'est un peu ce qu'on est encore en train de faire parce que justement, en préparant cette présentation, ça nous a même amené à dire « Hey, je viens de penser à ce qu'on peut faire pour mieux investir notre bilan. On va on va s'en mettre une copie dans le dossier d'aide des élèves, puis lorsque on va vivre lorsqu'on vivra une situation qui est, par exemple, des dépassements infinis d'échéanciers, un enjeu, bien, on va ressortir le bilan dans lequel l'élève s'est engagé à utiliser des stratégies. Donc là, ça, bien, on y a pensé là, mais ça veut dire qu'on est toujours en mode de se dire comment on peut le réinvestir, comment on peut amener les gens à y retourner, comment on peut amener les gens à le transférer, comment on peut amener les gens à continuer à être dans une démarche réflexive. Donc, on a ajouté aussi la possibilité, là, il y a des élèves qui étaient avec nous depuis quelques années, puis ils n'avaient pas fait EVR, puis là, on a constaté que ça pouvait être, à un moment donné, en table multi, un de nos buts pouvait être de dire, sais-tu, finalement,
on veut t'inscrire dans un cours EVA parce qu'on pense qu'en ce moment, tu aurais besoin de ce coup de pouce-là, de te rappeler des stratégies. Fait que ça nous a amené à prendre des positions qui étaient différentes sur, bon, bien, finalement, on va intégrer en même temps un peu de cours avec le cahier. Comme ça, ils vont mieux être capables d'appliquer les stratégies qu'ils voient. Fait qu'il y a eu quand même des modifications au fil des 2-3 dernières années pour que ça devienne de plus en plus significatif et que ça ne soit pas juste la fois où on parle de stratégie dans l'année. C'était notre objectif général. Oui, en effet. Donc là, en ce moment, on est en train de préparer, Catherine et Hugo, Hugo et moi, une évaluation plus officielle là, du cours par sondage. Donc, on va faire un sondage pour les enseignants, pour les élèves et aussi pour les services complémentaires, là, voir si, par exemple, eux, ils voient que le cours a des effets ou si on leur réfère des élèves suite au cours. Donc, un peu se réajuster là, après comme quelques années à faire le cours, là, voir si ça répond toujours aux besoins, s'il y a des modifications à faire. Puis, c'est ça, donc faire les mises à jour aux besoins suivant les résultats que nous aurons au sondage. Et j'ai terminé ma présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux arrêter le partage. Non. Mais c'est vraiment, en fait, intéressant. Super. Puis, tu sais, les réflexions, je pense que vos réflexions puis vos mises à jour, puis parce que je travaille avec vous sur d'autres dossiers, mais c'est tout le travail d'équipe. Tu sais, on essaie d'éliminer vraiment les silos. C'est une super belle tendance aussi de donner un VR à l'ensemble des enseignants. C'est aussi quelque chose qui fonctionne bien dans plusieurs centres. Parce que quand ça appartient à une personne, c'est que ça reste là. Donc, si on veut un développement, un déploiement de stratégie, et c'est que tu sais, ce qui est bien, c'est que ils peuvent être pris à la pièce. Et c'est vraiment décortiqué, puis c'est une belle façon de répondre aux besoins des petits centres dans lesquels on ne peut pas bâtir de cohorte. Mes questions restent tout le temps sur Moodle. Ma synthèse vocale, ce jour, n'est pas très efficace sur Moodle. Donc, est-ce que, dans le fond, quand l'élève ouvre le document, est-ce que c'est un Word ou quoi que ce soit qui peut utiliser la synthèse vocale ou des outils techno pour dicter ses paroles? Est-ce que vous avez pensé à ça? Bien, je sais que j'ai une élève qui l'a fait. Oui, bien, en fait, je sais que tout n'est peut-être pas complètement possible, mais je sais que il m'est arrivé là, qu'un élève le fasse avec le lecteur immersif. Puis, dans certains cas, je pense que quand ça fonctionnait moins bien, on avait trouvé des solutions, là, genre, bon, bien, regarde, je copie ça, je le mets sur une page Word, puis on l'écoute. T'sais. Donc, je sais que moi, je l'avais déjà comme... Dans certaines circonstances, je l'avais fait comme ça. Mais on a quand même eu, tu sais, un souci d'essayer aussi qu'il y ait, somme toute, de l'interactivité, que ça soit écrit en grand caractère, qu'on soit capable d'avoir quand même déjà quelque chose qui était assez accessible. Mais c'est sûr qu'il y a encore une possibilité d'aller plus loin sur ce plan-là. Le cahier de réflexion, bien évidemment, lui, il peut se faire. J'ai une élève là, qui l'avait fait complètement là, avec son Lexibar et son antidote. Donc, on n'était pas passé par le PDF inscriptible. J'ai le document en version Word, fait que je le fais comme ça. Fait que, tu sais, il y a des possibilités de cet ordre-là. C'est sûr qu'il reste encore peut-être à aller encore un petit peu plus loin pour ça. Puis, entre autres, ben, dans ce qui va suivre, c'est qu'on va essayer aussi que nos ateliers des enseignants ortho ou des orthos puissent concorder, puis vraiment comme... Investir, là, reprendre. Mais vraiment réinvestir, qu'on soit plus dans le réinvestissement, puis qu'on soit plus dans... Ben, nos ateliers vont travailler le métier d'élève, mais on va le faire à partir de ce qu'ils ont vu dans le VR. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment notre objectif de l'an prochain, puis que... dans les cas aussi où on nous signale, j'ai eu un milieu, par exemple, où dans une rentrée d'élèves, il y avait 7 personnes que ça ressortait dans le VR, qu'il y avait tels enjeux, bien, je les ai pris ensemble, puis on a fait quelque chose, t'sais. Donc, ça permet aussi, je pense, d'amener la notion de portrait, parce que moi, c'est un de mes rêves qu'on en vienne à faire des portraits de classe. Donc, ça amène, quand tu as fait le portrait de chacun de tes élèves, tu as vu leur bilan, bien, ça amène que ça soit possible de le faire aussi, puis qu'on puisse donc peut-être être capable de croiser davantage les besoins d'un
sous-groupe d'élèves, tout ça. Fait que je pense que ça, c'est ce qui nous reste à travailler, là, de le rendre encore plus accessible, puis de s'assurer que notre offre d'atelier ne soit pas dans le dédoublage, mais dans le réinvestissement. Oui. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Puis, comme on est un centre de service là, qui a vraiment comme beaucoup de très petits centres, bien, c'était souvent les centres, tu sais. Par exemple, le centre de Manawan est très peu visité par d'autres centres de services complémentaires. Bien, au moins, il va y avoir un minimum qui va être fait d'outillage, puis on va pouvoir comme référer plus rapidement. Fait que, c'est des exemples comme ça, mais ça change vraiment quelque chose parce que dans certains centres, on peut avoir juste 13 élèves avec un prof seulement qui est là, puis presque jamais personne d'autre. Fait que ça, pas de secrétaire, ça, pas de... C'est ça. Fait que là, ça peut vraiment permettre de, premièrement, de révéler les besoins puis d'amener les services nécessaires en temps et lieu. Donc, c'est un objectif dans la suite. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est ça. En fait, ce que je disais, c'est que là, je suis à travailler là-dessus sur le EVR 5001. Puis, je me demandais au niveau de l'évaluation, si vous, là, parce que je comprends que ça a l'air des parties individualisées quand même, vu que chacun utilise Moodle sûrement à son rythme, ce que je crois, oui. Puis, oui. La partie évaluation, est-ce que vous avez pris comme genre un journal de bord? Mais c'est pas tout à fait. C'est l'évaluation qui me questionne. Oui. C'est ça. En fait, ce qu'on observe vraiment, tu sais, c'est beaucoup le cahier de réflexion et de devoir. Donc, cahier de réflexion et de devoir nous rend compte, en fait, si l'élève a vraiment fait l'ensemble de la plateforme avec rigueur et sérieux au meilleur de ses capacités. Puis, on a une grande part aussi sur son bilan parce que, tu sais, dans le fond, tout ce qu'il va avoir fait avant, bien, c'est ce qu'il va réinvestir. Le bilan, dans le fond, c'est un texte qu'ils ont écrit. Ils peuvent le faire à l'oral aussi. Donc, c'est un texte qu'ils écrivent, par exemple, où justement, ils vont aller cibler. Je pense qu'on leur demande trois stratégies en particulier qui gardent dans leur boîte. Tu sais, c'est un peu un principe de boîte à outils, là. Bon, bien, on t'a donné plein d'affaires. Qu'est-ce que tu gardes dans ta boîte à outils à côté de toi, là, pour quand tu vas avoir de la difficulté? OK, j'ai observé, tu sais, par exemple, on a un petit test là, dans la gestion du stress qui est le stressomètre. Fait que tu as un élève qui va comme coter bien haut au stressomètre, bien là, on va lui dire, bien, prends vraiment la peine de regarder les stratégies de gestion du stress qu'on te propose, puis dans ton bilan, bien, garde-toi-en une ou deux, que tu le sais que tu vas en avoir besoin éventuellement, puis tu sais, même on peut y rappeler, rappelle-toi dans ton bilan, tu sais, tu m'avais mis telle stratégie pour ta gestion du stress, fait que tu sais, l'idée, c'est vraiment que ça serve à l'élève. Tu sais, oui, c'est un outil pour nous l'évaluer, mm-hmm. mais en fait, qu'est-ce qu'on évalue? Bien, c'est ça. Est-ce que... comme une rétrospection de l'élève. Oui, c'est ça. C'est ça. Okay, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, le journal de bord est un peu, mettons, le cahier de réflexion et de devoir, puis comment on observe, bien, tu sais, s'il a bien travaillé. C'est un peu le wrap-up qu'il fait à la fin avec son bilan. De tout ce qu'il a ramassé là, pendant le parcours parfait. Du cours. Fait que c'est quand même court comme évaluation. Là. Oui, tout à fait. Excellent. Oui, puis tu sais, comme je disais, on observe quand même, tu sais, c'est ça, ben, est-ce que tu as respecté le code de vie du centre? Est-ce que tu es présent? Tu sais, tout ce qu'on sait qui a un effet aussi sur le parcours scolaire après. Parce qu'un élève qui, déjà, quand il commence, s'absente beaucoup, bien, on voit qu'il y a probablement une problématique de motivation, d'engagement, qui va avoir un effet négatif sur la suite de son parcours. Fait que, tu sais, c'est tout d'y allumer des petites lumières pour qu'il soit plus vigilant là, dans la suite. Puis nous aussi, tu sais, on a ça en tête comme enseignant quand l'élève nous les a nommés, puis c'est lui qui les nomme. Donc, c'est sa responsabilité, puis nous, on est là pour le guider puis le soutenir là-dedans. Merci beaucoup. L'objectif, c'était vraiment que ça soit un cours de 25 heures là, aussi, Lucie. Ouais. C'était vraiment de dire, là, ben, c'est 25 heures, c'est une unité. Puis pour plusieurs aussi, ben, les élèves qui n'ont pas réussi souvent dans leur parcours scolaire, qui arrivent en pré-sec, puis que parfois, ils sont reclassés là, au niveau du P101 parce qu'ils étaient dans des bulletins modifiés, puis Alouette, bien, ils en ont un crédit en banque. Ils ont commencé, ils ont réussi quelque chose. Ça a l'air niaiseux, mais je l'ai entendu. Je ne me rappelais pas la dernière fois que j'avais réussi quelque chose.
ben, c'est arrivé la première semaine. Fait que ça part bien. Oui, il y a autre chose aussi, Catherine, tu me fais penser. Comme je disais, on a des élèves qui arrivent et qui sont comme un peu fâchés de ne pas entrer tout de suite dans les matières scolaires parce que leur horaire qu'on leur fait, en fait, c'est EVR toute la semaine, puis ils ont deux plages horaires où ils sont, parce que dans le fond, ils sont déjà dans les classes où ils vont être dans la suite. Leur profil de formation est fait, là, par exemple, en français FBD en avant-midi, puis mathématiques FBD en après-midi. Donc, les cours EVR, ils les font dans ces classes-là, mais il y a deux demi-journées par semaine où là, on leur met vraiment des mathématiques, puis mettons un après-midi de mathématiques, puis un avant-midi de français, où là, déjà, ils peuvent sortir les cahiers, commencer à les regarder, puis même déjà commencer, ah, tu sais, j'avais vu cette stratégie-là de lecture stratégique, puis je vais essayer de la mettre en place. Donc, ça, c'est dans l'horaire, et on a eu quelques cas, justement, des élèves. Moi, j'ai des profs qui m'ont écrit, puis ils m'ont dit, bien là, c'est parce que l'élève se cache pour faire du français. Il ne veut rien savoir de faire son EVR. Donc, c'est arrivé quelques fois qu'on a dit, bon, bien, écoute, le but, c'est que l'élève se rende au bout de la plateforme. Le temps qu'il prend, c'est pas grave. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il ne mette pas comme des heures et des heures à plus finir, de le décourager. Donc, on a pris des ententes avec l'élève. On lui a dit, bien, le but, c'est que tu la fasses au complet. Si pour toi, tu veux faire deux demi-journées par semaine, on va adapter ton horaire dans ce sens-là, mais le but, c'est que tu te rendes au bout. Donc, c'est pas de les écœurer non plus avec nos contenus. Puis, effectivement, on a des élèves qui, pour eux, sentent que ça a plus de sens de faire des matières scolaires. Puis, ben, ce qu'ils vont faire dans le VR tranquillement dans leur parcours, ils vont faire « Ah oui, OK, ils montrent ça, c'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai que c'est pertinent. » Donc, il y a cette flexibilité-là aussi là, dans des certains cas particuliers, là, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment la question d'échange, puis tu sais, que les enseignants soient vigilants aussi, là, de voir « OK, là, ça fait une semaine, mon élève, il a fait deux modules, là, c'est pas normal, là. Fait que tu sais, d'aller voir « OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas motivé? C'est-tu la plateforme qui te pose problème? C'est-tu les contenus? Qu'est-ce qui se passe? » Fait que tu sais, c'est ça, il y a beaucoup d'adaptations possibles aussi. Dans ce sens-là. Puis dans tous les cas, ça va passer par une discussion avec l'enseignant. Fait que ça, c'est ce qu'on veut aussi. Parce que ça veut dire que si je ne peux pas me conformer à faire ça, il y a quelque chose, bien, ça va ouvrir le dialogue. Fait que dans certains cas, nous, ça nous a conduit à « Oh, OK, mais là, t'es OK, on va faire telle chose. » T'sais, on a été dans « Oups, horaire modifié » ou « t'sais, ça a permis de... d'accélérer un petit peu là, la manière dont on allait intervenir avec plusieurs élèves. Ça vous a permis de faire des interventions avant que le 5 jours arrive. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Ou avant qu'ils se démotivent parce que ça n'avance pas son... C'est ça, ouais. Okay, c'est vraiment... Écoute, un immense merci de votre partage aussi. Si vous laissez votre diapo comme accessible à tous, moi, je vous invite à le mettre dans le clavardage pour que Richard puisse l'intégrer. Oui, à... bien sûr. Puis de communiquer aussi avec vous si les gens ont des questions, mais c'est extrêmement apprécié. Puis encore une fois, bien, je rappelle que ça s'inscrit dans le PVR, les cours EVR. Ils veulent tout augmenter, la réussite éducative, qu'il y ait moins d'abandon. Puis en même temps, ça a fait une belle promotion des services éducatifs complémentaires, non pas en individuel, mais en prévention. Puis, ça fait du rôle conseil auprès des enseignants parce que bon, on vient parler des stratégies, puis on vient diversifier l'offre. Donc, tu sais, vraiment, là, vous avez travaillé de main de maître sur ces cours-là. Fait que je vous en remercie énormément. Merci à toi de nous avoir donné la chance d'en parler parce qu'on aime beaucoup ça. C'est un beau projet. Hein? Oui. Mais c'est ça, puis c'est un projet, tu sais, pas d'une personne, là, c'est un projet vraiment de centre. Ça ne serait pas possible, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vraiment pris la peine de le mentionner aussi, qu'on est beaucoup, tu sais, donc c'est ça, Stéphanie Saint-Don aussi qui a fait tellement de travail, là, une job extraordinaire à fouiller, à trouver des activités pour les élèves, puis monter, c'est ça, tu sais, elle a utilisé vraiment comme plein de ressources différentes sur Moodle, c'est varié, puis... oui, c'est vraiment le fun d'avoir ça dans notre banque. Oui, puis tu sais,
je pense que comme moi, à titre de représentante de tous ces petits centres satellitaires, ben moi, ça a vraiment changé la donne parce que les élèves qui sont dans des petits milieux où c'est moins évident qu'il peut y avoir des services et tout, ben ça a vraiment comme bonifié beaucoup l'offre qu'ils avaient d'emblée, puis ça a rendu aussi les enseignants plus sécures puis plus encadrés dans le diagnostic ou la prévention. Là. Fait que ouais. Moi, ça a vraiment changé quelque chose là, pour mon offre de service. Ouais, c'est super, écoute. C'est vraiment super. Il est 13h. Je tiens aussi, il y a un atelier qui se donne dans 15 minutes par notre collègue François. Donc, je vais juste faire les autres points dans les autres centres. Sachez que la communauté, elle est appelée à être reconduite l'année prochaine, mais que je tiens à céder ma place et la léguer à quelqu'un d'autre. Donc, pour ceux et celles qui sont, bien, pour celles et Richard qui sont là, si vous connaissez des gens qui sont prêts à piloter ces communautés-là, c'est un travail d'équipe qui s'est fait en collaboration avec un CP Récit. C'est 4 à 5 rencontres par année, c'est d'animer des discussions puis tout ça. Fait que c'est vraiment c'est pas énormément de travail et je crois que ça sert à beaucoup de gens. Donc, s'il y en a qui ont de l'intérêt, communiquer avec Richard ou moi, puis on fera la passation de dossier. Puis Patrick Beaupré qui reviendra, qui est notre CP réussi attaché. AVR, il m'a confirmé qu'il revenait pour septembre. Alors, il sera là, il désire qu'on poursuive l'aventure EVR. Est-ce que ça reste EVR-FGA? Parce que je sais qu'il y a des gens qui commencent à travailler sur des EVR-SP. Oui, c'est EVR-SP aussi, en fait. Okay. Puis, c'est une super belle porte d'entrée pour travailler en collaboration avec l'AFP. Puis, il y a beaucoup de demandes par rapport à l'AFP, puis je suis extrêmement contente parce que là, on vient vraiment chercher nos deux expertises qui sont complémentaires. Et dans le document collaboratif, j'ai mis que le soutien, même si je n'y serai plus, mais que je vais assister probablement aux rencontres, il y a du soutien tout au long de l'année qui peut se faire là, gratuitement par des personnes du réseau. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe Choc pédagogique qui peut soutenir les conseillers pédagogiques, les directions dans la mise en place ou le développement des cours EVR, l'équipe choc organisationnelle pour les directions aussi, le financement, la maquette horaire, pour ça, savoir si c'est une liste ou à tous les cours, tous les modèles sont possibles, tant à FGA qu'en FP pour l'équipe choc organisationnelle, puis pour les intervenants, des services complémentaires. Donc, moi, j'y crois vraiment beaucoup, puis c'est pour ça que je l'ai pris il y a 2 ans. Bien, je vais continuer à m'impliquer puis à répondre à ça lorsqu'il y aura un intervenant qui veut intervenir en classe avec l'enseignant à titre de promotion et de prévention. Donc, les dates l'année prochaine ne sont pas déterminées. La personne qui prendra le relais ça saura les définir et travailler avec Richard. Mais sachez que c'est je vous remercie d'avoir été présente et présent pour les autres, mais c'est vraiment une belle communauté qu'on a mis en branle. Merci tout le monde et bonnes vacances bientôt.